Comment appelle-t-on l'ensemble des roches transportées? Les alluvions. Non, plus vite. À Morène. Oui. Déposé par un glacier. Sous quel nom connaît-on le peintre Brabançon? Van Dyck. Non. Ansor. Non plus. Bruegel. Non. Géronimus Van Laken. Bosch. Oui. Jean Bosch. Dans quelle maison bourgeoise qualifiée de château Napoléon III signa-t-il la capitulation? Château Malmaison. Non. La capitulation de la France le 2 septembre 1870. Non, c'était dans l'Est. Hein. Le château de Bellevue. Quel nom usuel donne-t-on à l'étoile la plus brillante? L'étoile du Verger. Non. Sirius. Non. Grand chien. Non. De la constellation de la petite ours. L'étoile polaire. Oui, mais c'est dépassé. Familièrement, qu'appelle-t-on une girofle à 5 feuilles? Un pied. Non. Une gifle. Oui. Quel adjectif qualifie une jument possédant... possédant des canines et généralement... Réagne. Oui, généralement féconde. Quel nom porte le temple que les Grecs et les Romains consacrèrent? Panthéon. Oui. Évoquant également un grand lézard, quelle plante constitue le condiment? Basilic. Oui. Publié en 1869, quel roman de Victor Hugo a pour héros Gwynplaine? Que l'orientation? Non. Un enfant élevé? Oui, non. Un enfant enlevé et mutilé? Ok. Ah oui. Quelle note de musique est donnée par la tonalité? Le ré? Non. La? Oui, par la tonalité téléphonique. Comment se nomme le coureur cycliste belge vainqueur de la... Bounen. Non. Ah oui, oui, enfin Bounen, c'est ça? Ouais. Oui, d'accord. On ne trompe pas beaucoup dans Bounen. De Bounen. En juin 1964, quelle présentatrice de Télé Dimanche? Noble Cour. Oui, est licenciée pour avoir montré ses genoux. Décédée en novembre 2010, quelle comédienne fut la compagne puis l'épouse de Jean de Sailly? Valère. Oui. À quel roi de France doit-on la formule cartel et... Louis XIV. Non. François Ier. Oui, cartel et notre bon plaisir. Née à Bordeaux en 1834, quel violoniste et chef d'orchestre français a fondé les concerts qui portent son nom? L'Amoureux. Oui. Alors, 5, 2, 2, 1, 8. Quel est le prénom et la sœur? Quel est le prénom de la sœur d'Alexandra Lamy jouant dans scène de ménage? Audrey. Oui. Au jeu de cartes, quel nom porte le valet de cœur? Lance. Lector. Non. Naïr. Oui. Quel est le nom de la grotte où la Vierge serait apparue? Non. Non plus, serait apparue. Massabielle. Oui. Comment appelle-t-on le lynx d'Asie et d'Afrique? Caracal. Oui. Né à Argenteuil en 1882, quel peintre français, créateur du cubisme avec Picasso? Ah. Oui. Signifiant éruption en grec, quel mot désigne l'obstruction d'un vaisseau sanguin? Thrombose. Non. Par un caillot. Non plus.
Une embolie. Comment appelle-t-on les créoles guadeloupéens? Une oreille. Non, martiniquais descendant d'île. Non, immigré blanc. Non. En 1890, à quel compositeur russe doit-on le ballet? Non. La Belle au bois dormant. Oui. Quel nom porte l'acte promulgué en juin 1559? Non, par le roi de France Henri II. Non, pour réprimer l'hérésie calviniste. Non. L'édit des coins. Sous quel nom connaît au mieux Rosemary? La mer dans les chansons, les mammifères volants, l'informatique de papa ou Robert l'amoureux. Juste une précision, mais qui n'apporte pas grand-chose, les mammifères volants, volants étant dans le dictionnaire, mais des fois ils se contentent de planer nos mammifères. Ils se contentent parfois de planer les mammifères. Oui, ils volent. Chauve-souris d'Amérique tropicale se nourrit exclusivement. Oui. Quel écureuil volant d'Eurasie septentrionale doit son nom à un mot polonais? Polatouche. Oui. Synonyme de danseur de corde, quel écureuil volant de l'Inde de grande taille est appelé? De l'ordre des thermoptères, quel mammifère des îles de la Sonde peut planer grâce à une membrane latérale soutenue par ses membres? Galéo-quitec. Oui. Commune en Europe et en Asie, quel chauve-souris insectivore doit son nom à ses grandes oreilles? L'Oreilla. Oui, très répandu en France. Quelle petite chauve-souris a son nom d'un mot italien dérivé lui-même de l'astin? Pistrelle. Oui. Quelle chauve-souris est appelée aussi fer à cheval en raison de la forme de l'appendice? Inodophe. Oui. Alors, synonyme de danseur de corps, quel écureuil volant de l'Inde? Le pétoriste. Et autrement, ben, c'est bien. La mer dans les chansons. La mer est mer. Oui, parce que souvent, on pense trop pas. Si. Ouais. Oui. En 1965, quel chanteur célébrait le ciel, le soleil et la mer? De quelle femme? Oui. Quelle chanson de 1961 commence par la phrase « La mer sans arrêt roulait ses galets » C'est pour la vie? Non. Quel titre porte l'album de compilation de Laurent Voulzy sorti en 1989? Passe. Dans quelle chanson est-il fait allusion à une maison toute en pierre que la mère a arrangée au-dessus d'un cimetière où mon père est couché? San Francisco? Non. En 1964, quel auteur-compositeur italien chante Les filles du bord de mer? Adamo. Oui, dans quelle chanson de Renaud entend-on c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est l'homme qui... Dès que l'on soufflera. Oui. Dans quelle chanson, partout du Chili jusqu'en Cine, reçoit-on à bras ouverts les vieux loups de mer? C'est trop vieux pour moi. Les gars de la marque. Oui, j'avais dit que c'était trop vieux pour moi. Alors, qui chantait, oui, de Guette, La mer sans arrêt roulait ses galets. C'est deux enfants au soleil. C'est beau là. Oui, c'est beau là. Quel titre parle l'album de Woolsey sorti en 89? Belle île en mer.
Et dans la chanson, fait-il allusion à une maison toute en pierre que la mère a rangée au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Bravo, je viens du sud. Adamo, c'était bon, développement souffert aussi, et les gars de la marine. Deux points. Papa, je connais l'informatique, pas trop, mais tant pis, je pense. Donc, c'est du coup. L'informatique, papa. Ouais. Comment appelait-on les premiers ordinateurs? Moniteur? Non. En 1958, les compagnies françaises lança le Gamma 60, premier ordinateur multitâche dans le monde. Thomson? Non. Quel nom portait la méthode de traitement des informations? Grasse. Achevé en 1946, quel nom portait le premier ordinateur? En 1642, quel savant français inventa, selon de Pascaline, la machine à calculer? Pascal? Oui. Quel périphérique assurait l'enregistrement et la lecture d'informations sur une bande magnétique? Pardon? Quel périphérique assurait l'enregistrement et la lecture d'informations sur une bande magnétique? Une lisette? Non. Non, on ne peut pas, il n'y a pas de dessin. C'est un dérouleur. Alors, je suis trop jeune. Ben oui. Les premiers ordinateurs s'appelaient les calculateurs. La compagnie française qui lança le Gamma 60, Hull. Et quel nom porte la méthode de traitement d'informations à partir de cartes perforées? La mécanographie. Et le premier ordinateur de 1946, l'ENIAC. Le BINIAC, ensuite, Blaise Pascal, les rouleurs. Je suis une herbe succulente, charnue des régions chaudes et tempérées, dont on gagne une quinzaine d'espèces. Ma variété dite commune à petites fleurs. Pétunia. Non, à petites fleurs jaunes et à tiges rampantes, et cultivée comme salade. Pour qui? Oui. Littérature. Je garde. Hein. Femme de lettres française décédée en 1999, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, dont Pour un oui ou pour un non, en 1982. Écrivain, j'étais à l'origine de Simon. Non, du nouveau roman avec des titres comme Portrait d'un inconnu. Sarotte. Oui. Nathalie Sarotte. Une consonne. Oui. Composée d'un point suivi de deux traits puis d'un point dans le code Morse, je suis la 12e des consonnes de notre alphabet. Lettre occlusive, bilabiale sourde, je. M. Non, je peux être muette à la fin au milieu d'un mot. Ma forme recourbée rappelle la lettre O. J. Non, O de l'alphabet grec. Je me prononce comme un F lorsque je suis suivi d'un H. Symbole chimique des phosphores. P. L. Cinéma. Je garde. Acteur français né en 1952. J'ai été révélé par Michel Deville en 1958. Aux côtés de Jacques Perrin dans L'honneur d'un capitaine, je reçois en 1983 le César du meilleur espoir pour Family Rock. Vedette de Péril en la demeure avec Nicole Garcia et Bras de fer avec Bernard Giraudot, j'ai interprété le rôle-titre de l'affaire Cessnec à la télévision. À la voix ? Oui. Culture générale ? Oui. Terme désignant anciennement la personne, la voiture ou le navire chargé de porter les dépêches et les paquets, je m'applique aujourd'hui à la rubrique de journal consacrée à des nouvelles spéciales concernant par exemple la bourse, le cœur et les lecteurs. Correspondance reçue ou envoyée par la poste, je suis aussi... Courrier ? Oui. Littérature. Oui, bah je garde. Écrivain français, membre de l'Académie française, je suis né à Boulogne-sur-Mer en 1804. D'abord proche du romantisme, j'écris différents poèmes, ainsi qu'un roman intitulé Volupté. Jamais. Non. Mais je me suis surtout consacré à la critique et à l'histoire littéraire, en replaçant les écrivains dans leur milieu historique et social. Auteur de critiques et portraits littéraires, de Port-Royal et de Causerie du lundi. Au passant ? Non. Saint-Aubin ? Oui. Télévision. Oui. Oui. Oui.
Émission télévisée mensuelle d'information diffusée par la RTF de décembre 1961 à août 1972, je possédais un générique très entraînant. C'est Claude Rennes. Non, intitulé La marche des gueules noires, extrait de l'opérette Rendez-vous à Paris de Georges Lieferman. Créé par Jacques Godet, le fondateur du journal L'Équipe, et Raymond Marcillac, je rendais compte de l'actualité sportive et je. Le commissaire Espoir ? Oui. Histoire. Héros légendaire de la Révolution française, je possède cependant une rue à mon nom dans plusieurs villes de France. Né en 1779, je suis un jeune volontaire ayant suivi. Gavroche. Non. Comme hussard, le général Desmarres dans l'armée républicaine. Tué dans une embuscade près de Cholet. Barra. Oui. Barra. Une personnalité. Oui. Né en 1932 à Saint-Quentin dans l'Aisne, sous le patronyme de l'Hôpitalier, je commence à 20 ans une carrière de comédienne de cinéma, le plus souvent dans des rôles de femmes légères. Modèle du peintre Jean-Gabriel Domergue et inspiratrice de Brassens, j'épouse en 1962 un riche banquier français. Simon, non. Devenue baronne par mon mariage, je suis restée célèbre pour. Madame de Fontenay ? Non, je suis restée. De Rothschild ? Oui, la vie de Rothschild. 12-10. Mythologie. Oui, je garde. Ayant donné mon nom à un opéra d'Emmanuel Chabrier sous-titré Les Amants de Corinthe, je suis une jeune prêtresse de la ville de Lyrosnes qui fut pillée par Achille. Devenue captive du héros, je fus ensuite enlevée par Agamemnon. S'estimant spoliée. Crisis. Oui.